Okay. Ensuite, vous avez le Hadas que l'on va prendre tout de suite. Le Hadas, donc on a 30 cm de Hadas. 30 cm, c'est suffisant 24 cm. Bon, voilà, nous avons donc des beaux Hadassim. On va mettre un Hadas. Voilà, regardez bien. On va mettre un Hadas à droite avec une Araba. Un Hadas à gauche avec une Araba aussi. Donc ça fait un Hadas, une Araba, un Hadas, une Araba de chaque côté. Et un autre Hadas que l'on met à l'intérieur, c'est-à-dire derrière le loulav. C'est comme ça que c'était le minag du Rav Ovadia Yosef. Et comme ça le minag Sfarad, comme le Harizal. Ensuite, vous allez prendre, c'est mieux d'utiliser un du loulav, ok, une attache du loulav. Vous prenez donc une feuille du loulav. Ensuite, vous la coupez, ok, vous la coupez et de faire un beau nœud, c'est-à-dire un vrai nœud bien qui attache bien et pas seulement les gros nœuds que l'on utilise pour faire joli. Faire des gros nœuds comme ça, il faut en faire trois tout au long comme ça, ok, pour que ça tienne bien. Voilà, j'espère avoir bien expliqué. Donc une arava, un hadas, une arava, un hadas. Et un hadas derrière, au moins comme ça, on pourra bien accomplir la mitzvah du loulav comme il se doit. Et bien attaché, bien entendu, comme on a dit, attaché.